Pierre Leloup est né en 1955 à Chambéry. Très tôt, il fréquente l'atelier de la MJC et décide de devenir peintre. Diplômé de l'École des Beaux-Arts de Grenoble en 1977, il revient vivre à Chambéry jusqu'à sa mort en 2010. À partir de 1975, il expose très régulièrement ses œuvres en France et à l'étranger. Depuis ses recherches autour du tableau « Les Ménines » de Diego Velázquez, Pierre Leloup ne cesse de questionner les problèmes de la représentation. Cadrage, perspective. En 1985, lors d'une tournée théâtrale dont il est le décorateur, il découvre l'Afrique, où il séjourne régulièrement dans le cadre de missions culturelles. Pierre Leloup double son œuvre officielle d'une œuvre demeurée discrète. 260 carnets à spirale datés, regroupant environ 7000 dessins réalisés au fil des jours. Dessins de différents formats, traités à la gouache et à l'aquarelle. Esquisses, projets, recherches. Dès 1986, il associe à ses recherches sur la matière un travail autour du trompe-l'œil. Il ajoute alors du bois réel au bois figuré sur la toile. En 1980, André Villers lui présente Michel Butor, avec lequel débute une collaboration qui durera toute sa vie. Ils réalisent ensemble une cinquantaine de livres, livres-objets. Pierre Leloup travaille également avec d'autres écrivains, dont Fernando Arrabal et Pierre Bourjade. Ici, ce sont des fragments de maçonnerie. Carreaux de faïence ébréchés, fissurés. Une marmite trouée par la rouille. Des lambeaux de chiffon tassés dans une encoignure. Quelques tisons refroidis sur des cendres marquées de traces d'oiseaux. Quelqu'un avait dû délimiter son territoire. Sur un fond très présent d'histoire de l'art, des sujets
viennent s'ajouter à celui de la matière et de la lumière. Espace scénique, bois, masque, tête, corps, loupe, tiroir, peau, paysage. Le peintre fait jouer l'ensemble dans des associations, des variations, des combinaisons multiples.